Sipaga vit désormais le bonheur parfait auprès de Giuseppa, celui qui s'apprête à être papa pour la première fois, a vécu, avant cela, une belle histoire avec Launa Sky. Les deux jeunes gens ont connu une relation tumultueuse. On se souvient notamment de l'arrivée de Launa Sky dans les Marseillais à Dubaï où elle a appris que son compagnon s'était rapproché de Lena. Ce n'est pas tout, avant ça, Launa avait également dévoilé via sa story Instagram, quand on était à Dubaï, on attendait la fin de la construction de la maison de Paga pour commencer les choses sérieuses, à savoir les enfants etc. Moi, j'avais encore des doutes par rapport à ce qu'il s'est passé avant. Je me suis dit que j'allais le tester, je l'assume totalement. J'ai eu accès à tous ses messages et un matin, je l'ai vu en train de parler à son ex pour coucher avec. De son côté, Paga a affirmé avoir quitté Launa Sky pour une raison bien particulière, j'ai quitté Launa parce que j'ai appris par une personne proche d'elle que c'était une escorte à Los Angeles. Launa avait nié les rumeurs à son sujet. C'est dans la saison 6 des Marseillais contre le reste du monde que Paga s'est finalement rapproché de Giuseppa. Launa Sky évoque son ex et via sa story Instagram, ce 16 avril 2023, que Launa Sky a répondu à la question d'un internaute cherchant à savoir si elle évitait les relations à cause de ce qui avait pu lui arriver. Sa réponse a été la suivante, bien sûr. Voir son copain, du jour au lendemain, vivre ce que tu vivais et te promettais de vivre avec, mais avec une autre. Même si je leur souhaite tous les bonheurs, ça restera toujours un énorme traumatisme et surtout, je pense que je n'aurai plus jamais confiance aux paroles, ni aux actes de qui que ce soit. Celle qui a avoué toujours prendre des médicaments contre ses angoisses. Elle balance sur Maeva Guénam alors qu'un internaute cherchait à comprendre la raison de son embrouille avec son ancienne amie Maeva Guénam, Launa Sky en a dit davantage. Après avoir affirmé préparer une vidéo YouTube dans laquelle elle reviendra plus en détail sur cette histoire, elle a ajouté, « Au début je me suis fait insulter pour la protéger et ne pas la mettre dans cette histoire. » Quand elle a cru que j'allais la balancer, elle m'a menacé de porter plainte contre moi pour avoir fait des injections chez elle dans son dos et contre son gré, lol. Et bien sûr, elle enregistrait la conversation pour l'envoyer à son avocat. J'ai cru parler à une sorcière, comme quoi, ce n'est pas celle qu'on croit. Pour rappel, Launa Sky a eu des injections pour augmenter la taille de ses fesses. L'administration de celle-ci s'est très mal passée et a causé des soucis de santé très graves à la jeune femme qui a mis des mois à s'en sortir. Elle subit d'ailleurs encore les conséquences de celle-ci.